On était à peine sortis des soins intensifs qu'ils ont débarqué avec leurs caméras pour faire des images pour la Corpo. On est passé à la télé. Ils nous ont expliqué quoi dire. Ils voulaient montrer comment ils s'occupent bien des vétérans. L'émission Notre sang pour le pays. C'est ça. Ils nous ont filé des implants Nova, des soins Premios. Même les gros bonnets du Conseil se sont déplacés. Et après, ils ont remballé leurs caméras et ils vous ont oublié. Exactement. Et vous savez quoi? Les implants, il a fallu qu'on les rende. Ils les ont remplacés par des saloperies de première génération. Ils nous ont bien baisés. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont jetés comme... Je comprends. Vous êtes un corpo? Répondez, ou je tire! Je suis au courant pour Max. Je sais ce que t'as fait. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir te dire pour te blesser. Mais tu sais quoi? Ça vaut pas le coup. J'aurais dû me douter qu'un merc comme toi serait pas à la hauteur. Vous êtes un corpo? Répondez, ou je tire! Max, posez ce crasheur, on va parler. Non! Vous me prendrez pas vivant! Bande d'enculés! Au courant pour Max. Je sais ce que t'as fait. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir te dire pour te blesser. Mais tu sais quoi? Ça vaut pas le coup. J'aurais dû me douter qu'un merc comme toi serait pas à la hauteur. Vous êtes un corpo? Répondez, ou je tire! Je suis pas une saloperie de costard. Je m'appelle V. C'est Regina qui m'envoie. Regina... Pfff. Dites-lui d'aller se faire foutre. Il est chargé? Pourquoi vous menacez de vous suicider? J'ai cru que vous étiez un corpo, envoyé pour me faire taire. Vous seriez mort quand même. Peut-être, mais ça aurait été mon choix. Ces ordures contrôlent tout. Mais moi, je serai le seul à décider de ma mort. Ça aussi, vous pouvez le dire à Regina. Je vais pas baisser mon froc comme elle. J'ai entendu votre interview en montant. J'ai commencé à diffuser dès que je vous ai vu sur l'écran. J'ai pas terminé, en tout cas pas comme je voulais. Mais au moins, les gens savent la vérité. Il y a un contrat sur votre tête. Mais vous êtes déjà sûrement au courant. Ouais. Ouais, je m'en fous un peu, mais Regina veut vous donner un coup de main. Me donner un coup de main? C'est elle qui a besoin d'aide. C'était la meilleure journaliste que je connaissais. C'était mon mentor, putain! Et maintenant, c'est plus qu'une vendue. Mais moi, on m'achètera pas. Jamais. Regina était votre mentor? Pas que le mien. C'était le meilleur reporter de guerre de Night City. Et puis elle s'est reconvertie en fixeur. Ouais, comme je disais, c'est une vendue. C'était différent avant. Putain, la parole des médias, ça comptait. On guettait tous les coups tordus de ces fils de pute. Et maintenant, on peut prouver qu'Arasaka s'est mis Holt dans la poche, et tout le monde s'en fout. Quel intérêt de parler des vétérans, alors, si tout le monde s'en contrefout? Je veux que les gens s'interrogent. Qui pose des questions. Exactement comme vous, là. Peut-être que ce malaise entraînera une dissidence. Qui sait? Je suis convaincu. convaincu que ça vaut le coup d'essayer. Allez, on y va. Si vous mourrez ici comme un pommard, ça changera rien du tout. Fuir changera rien non plus. Je me passerai de votre aide. Tout ça parce que vous méprisez Regina? Vous avez un truc à lui prouver? Vous comprenez que dalle. Bon, vous commencez à me saouler. On y va. J'irai nulle part. Alors je vous y obligerai. Ah, bonne chance. Vous avez le goût de la vérité, hein? Si vous voulez savoir qui est Regina aujourd'hui, pourquoi elle se bat vraiment, allez la voir. Pour elle, au moins, ça compterait beaucoup. Max? Je veux bien lui parler, mais c'est tout. C'est tout ce que je demande. Ok, je dois juste télécharger quelques trucs. Faites ce que vous avez à faire. Chauffeur? Mais ce sera quoi après? Du champagne? Des cigares synthés du marché noir? Pas de temps à perdre. On y va. Bonne chance, Max. Ouais, vous aussi. Merci pour ton aide. Je suis contente que tu aies réussi à convaincre cette tête de mule. Maintenant, à mon tour d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Contrat bouclé.